Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de ça vous regarde ce soir, faut-il supprimer le parquet national financier, affaire Fillon, Colère, Sarkozy, le PNF, Faire de lance de la lutte anticorruption est mise en cause après une série de révélations, accusations de pression, avocats espionnés, téléphone géolocalisé. On va s'interroger ce soir sur cette institution au cœur des enquêtes politico-financières dans notre grand débat. Dans un instant, on fera aussi un premier bilan des auditions de la commission d'enquête sur la crise sanitaire. Roselyne Xavier Bertrand, Marisol Touraine et Agnès Buzyn, les quatre anciens ministres de la santé sur la période 2007-2018 ont été entendus cette semaine. Qu'a-t-on appris sur la fonte du stock stratégique de masques Les explications dans ce dans cette émission. Et puis des propos infamants, de la calomnie et même un parjure. Les accusations pleuvent sur Didier Raoult et elles sont graves. Le professeur. Star de Marseille, est-il coupable de faux témoignages devant la commission d'enquête sur la Covid Explication de Thomas Després dans Ma Journée à l'Assemblée à la fin de cette émission. Voilà donc pour le programme, c'est parti. Hashtag CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Revoilà donc le procès de la justice. Une magistrate a distillé le doute sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Eliane Houlette, l'ancienne procureure nationale financière, évoquait des pressions sur l'enquête dans l'affaire Fillon. C'était le 10 juin dernier devant les députés. Et ce matin, sa supérieure hiérarchique a rectifié le tir fermement. Je n'ai jamais, jamais relayé. Une demande du garde des Sceaux ou du pouvoir exécutif pour influer sur le traitement des procédures. Voilà, la procureure générale de Paris qui dément avoir été l'objet de quelques instructions du gouvernement, avoir exercé quelques pressions que ce soit, on va en parler avec vous ce soir Hugo Bernalicis, bonsoir. bonsoir. C'est vous qui présidez cette commission d'enquête sur l'indépendance de la justice, hein, devant laquelle ces deux magistrates ont été euh, entendus. Bonsoir Olivier Marlex, soir. vous en êtes le vice-président de cette commission d'enquête, député des Républicains d'Eure et Loire. Et bienvenue à vous Katia Dubreuil, soir. vous êtes la présidente du syndicat de la magistrature. Je vous donne la parole à tous les trois dans un instant mais si j'ai bien compris, les accusations d'une justice aux ordres, ça n'est pas franchement nouveau. Le regard de Blaco tout de suite. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir Stéphane. Si j'ai bien compris ce soir. Alors, si j'ai bien compris, euh, Myriam, c'est fini l'époque où, quand un politique était mis en examen, il euh, répondait imperturbablement, la main sur le cœur Je fais confiance à la justice de mon pays. D'ailleurs, aujourd'hui, mais qui fait encore confiance à la justice française. Hein. Euh, en fait, c'est 50-50. Quand on regarde les sondages, vous voyez là, c'est un titre de L'Express. Non, pardon, oui, L'Express, c'est ça, l'an dernier, qui disait « Un Français sur deux n'a plus confiance euh, dans la justice ». Alors, quand on compare ça avec d'autres statistiques du ministère qui nous dit que, ben, justement, il y a environ 50% des Français qui ont déjà eu affaire à la justice... Si on fait en le rapprochement, on espère que les 50% qui n'ont plus confiance dans la justice <laughs> ne sont pas les mêmes que les 50% qui, justement, euh, y ont été euh, confrontés. Quoi. Elle n'est pas un peu étrange, cette corrélation que vous établissez là entre les deux chiffres Moi, j'aurais fait une corrélation <laughs> hasardeuse. Alors, ça, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, je ne vois vraiment pas comment j'aurais fait euh, un truc pareil. Hein. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que l'avis du citoyen sur la justice, ce n'est pas forcément la même selon qu'il a été confronté à la justice ou qu'il euh, n'a pas été confronté à la justice. Prenons l'exemple. Citoyen Mélenchon, <laughs> qui euh, en 2017, euh, pendant le débat présidentiel, avec confiance dans la justice de son pays à l'époque. Il n'hésitait pas à montrer du doigt les, les vilains malhonnêtes euh, qui avaient été mis en examen par les juges. On regarde. Oui, d'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Quand vous dites que euh, la campagne a vous. été polluée, je ne parle pas pour vous, madame, euh, a été polluée par les affaires vous. de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Non, mais je tiens à le préciser. Ici, il y a que deux personnes qui sont concernées, M. Fillon venir, et Mme Le Pen. ça pourrait venir. Voilà, ça, ça pourrait venir, lui dit Marine Le Pen, c'était prémonitoire. Eh oui, ben bah voilà, Marine Le Pen avait ah, ben raison, C'est pas le genre de phrase qu'on prononce <laughs> tous les jours, mais là, faut reconnaître que oui, Mélenchon aurait peut-être dû se méfier un petit peu avant de, de faire cet effet de manche pendant le débat, parce que quand les juges lui sont tombés sur le dos, bah, euh, on se souvient tous qu'il avait quand même... Euh, cest dire modérément apprécié la démarche de la justice. Bon, il a même écrit un bouquin sur le sujet qui s'appelait Donc Un procès politique. Il a fait une conférence de presse pour présenter le, 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 le livre. Et parmi les journalistes qui étaient là, certains lui ont posé la question sur la mise en examen de Richard Ferrand, donc le président de notre assemblée. Bonsoir, président. <laughs> qui euh, C'est en septembre 19, 2019. Et voilà la réponse de Mélenchon, mais alors un peu plus tard, quoi. Je ne sais rien sur cette affaire, mais je tiens à ce que tout le monde sache que je ne crois personne. Je ne crois pas les juges. Je ne crois pas, je ne crois personne. Voilà, alors j'attends. Et je n'ai pas confiance dans la justice. Alors, pour terminer le tableau, donc comment voulez-vous que j'ai une opinion Non, je n'ai pas confiance. c'est pas la peine de lever les sourcils comme ça. Voilà, résultat le groupe LFI a obtenu. Du Mélenchon, euh, comme on l'aime. La création de, de cette commission d'enquête sur les obstacles à la justice. Oui, voilà, voilà, on peut remercier vraiment. Euh, hyper intéressant quand on suit. Euh, je ne dis pas que les autres commissions ne sont pas intéressantes, mais celle-là <laughs> est vraiment très intéressante. D'ailleurs, ça permet de un peu mieux comprendre comment s'est jouée l'élection présidentielle. Je vous rappelle les faits. Le canard enchaîné reçoit son petit paquet tout ficelé il publie ça fin janvier. Il <laughs> euh, y a immédiatement ouverture d'une enquête préliminaire, ça c'est normal. On parle PNF, par le, par, euh, par le procureur et par national financier. Et puis au bout de trois semaines, on n'a toujours pas désigné de juge d'instruction. Donc si on veut flinguer Fillon, vous êtes d'accord qu'il faut qu'il soit mis en examen. Donc il faut ouvrir une information judiciaire. Donc qu'est-ce qui se passe ben, le 15 février, Eliane Noulet, elle est convoquée par sa hiérarchie. Et qu'est-ce qu'on lui demande Qu'est-ce qu'ils veulent la hiérarchie On écoute. Ben pour euh, parce que le, le choix de procédure, le procédu procédu choix procédural que j'avais adopté ne convenait pas pour m'engager à changer de, de, de voie procédurale, c'est-à-dire d'ouvrir une information. Et D'ailleurs, une dépêche, j'ai reçu une dépêche du procureur général en ce sens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé bah là, Elle a reçu une <laughs> dépêche, puis comme prévu, il y a eu une ouverture d'information judiciaire. Donc, ça aurait pu être le juge Patricia Simon qui devait être nommé euh, là sur le planning. On a préféré attendre un peu pour que ce soit le juge tournaire, l'inflexible juge tournaire. Et donc, au bout de quatre jours, Fillon était euh, mis en examen. Voilà, basse, la campagne bascule. Et vous pensez que la justice a été instrumentalisée alors, moi, euh, ça me paraît assez flagrant euh, euh, sur cette affaire. Mais encore une fois, je dis quand ça paraît, ce sont les apparences. Hein. Les apparences peuvent, évidemment, être trompeuses. Puis le deuxième truc, c'est est-ce que euh, c'est vraiment une bonne idée de prendre l'exemple Fillon pour dénoncer les excès de la justice Ce n'est pas évident. Je vous montre un dernier sondage. Quand on demande aux Français, est-ce que la justice est assez sévère avec les politiques, vous voyez, 68% pensent que non, la justice n'est pas assez sévère avec les politiques. Donc, euh, choisir euh, François Fillon pour euh, mettre en cause l'indépendance de la justice, je sais pas si j'ai fait le bon calcul, mais... Moi, j'ai quand même un gros doute. Hein. Hugo Bernalicis, c'est une petite réaction. On va entrer dans le détail hein, de, de l'affaire Fillon et de l'affaire dans l'affaire Fillon. On a, entendu, euh, on a entendu la procureure Eliane Houlette, mais au fait, quand, quand, on, quand on voit Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours un peu la même chose. Euh, les politiques euh, hurlent d'une justice aux ordres et les magistrats euh, répondent à l'indépendance, et depuis longtemps. Oui, c'est ce qui a motivé principalement la, la demande de cette commission d'enquête, vraiment de regarder à froid de manière posée, de faire le vrai du faux, ce qui est de l'ordre du fantasme, de l'ordre de la réalité, est-ce qu'on peut avoir des soupçons ou pas, comment se font les nominations, comment se fait la désignation du juge d'instruction, est-ce qu'on en a raconté trop, pas assez, est-ce qu'il peut y avoir des moyens d'enquête exorbitants et disproportionnés, quand c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut avoir des moyens de recours, est-ce qu'elles aboutissent voilà, de regarder ça dans le détail, froidement. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est euh, un beau résultat qui est celui du travail de cette commission d'enquête, au-delà de la médiatisation qui a eu lieu euh, euh, à des suites de, du témoignage de, 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 de Diane Oulette. Euh, je pense qu'on aura fait euh, ce bilan, peut-être un peu cru, un peu dur pour l'institution mm -hmm. la, la, judiciaire, pour l'autorité judiciaire, mais nécessaire euh, si on s'en empare en tant que responsable politique et qu'on en fait quelque chose derrière. Parce que si c'est juste pour dire, ah bah oui, bah la justice, on peut la soupçonner parce que dans tel cas de figure, quand même, c'est un peu bizarre que ce soit un tel ou une telle qui ait ouvert une, une enquête préliminaire et puis pas d'instruction euh, ou pas, bon, euh, si, on, si on en reste oui, là... Alors on verra ce que vous allez proposer, ça, parce que ça donc, fait longtemps qu'on hein, qu qu parle qu de de la réforme avant. de la justice bah, il et syndicalistes de couper... Sont venus, euh, pas le syndicat, mais il faut est venu pour dire qu'ils avaient vraiment -t -t une -t -t volonté de réforme complète du... Rendre indépendant le parquet. Sauf que là, ce qui est très particulier, c'est que c'est une magistrate ou une ancienne magistrate du PNF qui dit j'ai subi des pressions. On va rentrer dans le détail dans un instant, mais en général, ça ne passe pas comme ça. Vous avez des juges qui disent euh, tout va bien. Tout va bien. Oui, vrai. Et, et ça, ça crée peut-être Katia Dubreuil là-dessus, ça crée un, un, un émoi, pour ne pas dire un choc, dans l'opinion. Oui, ben, je pense que euh, ce, ce genre de propos peut être utile pour que le débat euh, commence vraiment, parce que les syndicats de magistrats, les trois, hein, euh, disent depuis des années et des années oui, oui, depuis des années et des années qu'il faut euh, changer le statut du parquet parce que ce statut euh, fait perdurer un doute dans l'esprit des citoyens à chaque fois qu'un euh, acte d'enquête est décidé pour savoir si c'était vraiment pour les nécessités de l'enquête ou c'est parce que euh, finalement euh, il y a eu la volonté de complaire au pouvoir ou une intervention du pouvoir. Donc le rendre véritablement indépendant, couper la le tutelle rendre, avec le euh, la garde des Sceaux. Ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il euh, fera ce qu'il voudra. Hein. Il y a toujours une politique, une politique pénale qui peut être euh, décidée par euh, le garde des Sceaux. Euh, les magistrats n'ont pas besoin d'être nommés par le pouvoir exécutif pour respecter la politique pénale qui est voulue. De même qu'ils n'ont pas besoin d'être nommés par le Parlement pour respecter les lois quand ils appliquent la loi dans leurs décisions, les juges du siège. Donc c'est un raisonnement absurde de lier nomination euh, et remontée d'informations avec politique pénale, parce que les remontées d'informations dans les affaires particulières ne sont généralement pas nécessaires pour euh, faire la politique pénale. Olivier Marlex. Euh... Depuis depuis le début hein, quasiment de, de, de publication du canard enchaîné, euh, toute la droite euh, crie au complot. On a parlé de et Noir dans l'affaire Fillon. Euh, Aujourd'hui, alors on va on va venir dans le détail parce que elle, elle, bon, toute elle... la droite crie au complot. -dire on faudrait être sûr qu'il n'y a pas une partie de la droite qui a nourri l'affaire aussi, mais bon. Elle dit <laughs> façon... elle, elle dit qu'elle revient sur ses propos. Euh, on va on va, on va, on, va le, on va le comprendre un peu plus tard. Mais euh, vous vous dites quoi on, on le on c'est ça. Je, je crois qu'on n'est pas les seuls à, à s'être un peu émus de la précipitation, en tout cas, de la, de la justice dans, de, dans cette affaire. Je ne rentre même pas dans le fond de dans, dans l'affaire euh, qui, 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 qui fera l'objet d'un appel, mais c'est la procédure en pleine élection présidentielle qui a incontestablement a perturbé euh, le déroulement normal de cette élection présidentielle. Ça, ça évidemment, ça, ça ne peut quand même que nous faire un peu réfléchir sur, sur ce mode de, de, de fonctionnement. Il y, a, il y a deux journalistes qui ne sont pas des militants euh, des républicains, à ma connaissance, M. Davet et M l'homme que bouquin d'ailleurs horrible Apocalypse à charge contre, 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 contre un, un horrible contre Nicolas Sarkozy euh, en, en 2015 ou 2016 et, et, et puis celui sur Apocalypse Fillon euh, où leur analyse c'est que, que, que oui il y a eu il y a eu une volonté assez précipitée de la de, de la justice d'agir euh, à ce moment-là enfin d'un certain nombre de personnes pardon d'avoir dit la justice parce que c'est pas l'institution judiciaire dans son ensemble mais c'est un certain nombre de, de personnes qui ont mis le pied sur l'accélérateur alors y a-t-il un problème non, pour la, avec pour la cette question de la confiance dans la justice qui, je pense, est un vrai problème de haut en bas, mais y compris pour, pour nos, citoyens, nos concitoyens au quotidien euh, qui souffrent de classements sans suite un peu rapides, etc. etc. Problème avec justice ou problème avec Eliane Oulette parce qu'elle se retrouve au fond, au, au cœur de trois affaires. Hein. Affaire Fillon, Sarkozy, Colère, euh, le nom du, du secrétaire général de, de l'Elysée. On va revenir un petit peu plus dans le détail sur le fond avec ce sujet signé Ahmed Tazir. Les critiques s'accumulent sur le parquet national financier, le fer de lance de la lutte anticorruption. Depuis des semaines, les révélations s'enchaînent. Sur l'affaire François Fillon d'abord. Le 10 juin dernier, l'audition à l'assemblée d'une ancienne responsable du PNF, elle dénonce des pressions de la part de sa hiérarchie. Les demandes de transmission rapide des éléments sur les derniers actes d'investigation. Les premiers éléments sur les actes de la veille, avant 11h, les demandes de précision. Les demandes de chronologie générale, et tout ça à deux jours d'intervalle, hein, à trois jours. J'ai été convoqué au, au parquet général pour, euh, je suis allé avec euh, trois de mes collègues d'ailleurs, euh, euh, parce que le, le choix de procédure, le procédu choix procédural que j'avais adopté ne convenait pas pour m'engager me, à, à changer de, de, de voie procédurale, c'est-à-dire d'ouvrir une information. Et ai d'ailleurs, une dépêche, j'ai reçu une dépêche du procureur général dans ce sens. Trois semaines après, c'est la procureure générale de Paris qui est auditionnée et récuse toute instruction venue d'en haut. Je n'ai reçu dans l'affaire Fillon comme dans tous les autres dossiers relevant de mon contrôle hiérarchique aucune instruction de la DACG. Aucune instruction du pouvoir exécutif. Et il y a aussi ces révélations dans l'affaire des écoutes visant Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog. Des investigations du parquet national financier l'ont mené à éplucher les factures téléphoniques de plusieurs magistrats et avocats. Un ténor du barreau a décidé de porter plainte. Écoutez, moi je découvre avec stupéfaction des méthodes que je qualifie de barbouzarde. Je, je pèse mes mots et je vais déposer une plainte. Et enfin l'affaire Alexis Collère. Là encore, l'indépendance du PNF est pointée du doigt, y compris par des magistrats. Le secrétaire général de l'Élysée de l'époque était alors visé par une enquête du parquet pour conflit d'intérêts. Versé au dossier, une lettre d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, dédouanait son collaborateur. L'enquête a été classée sans suite peu de temps après. Le PNF assure que l'intervention d'Emmanuel Macron n'était pas déterminante. Mais la relation est complexe entre le pouvoir politique et cette juridiction chargée des dossiers les plus explosifs. À l'Assemblée, la garde des sceaux tente de rassurer. Nous pouvons donner des instructions générales, mais nous ne pouvons pas donner d'instructions, je parle de la garde des Sceaux, d'instructions particulières dans des affaires particulières. Et c'est tout à fait essentiel. Et voici le PNF sous le feu des projecteurs depuis sa création il y a six ans suite à l'affaire Cahuzac. L'institution a rapporté à l'État cette année plus de 2 milliards d'euros, notamment dans des affaires de fraude fiscale. Hugo Bernalicis, on commence avec l'affaire Fillon. Euh, Eliane Oulette, quand elle vient vous voir et qu'elle lâche ce mot de pression, et va même beaucoup plus loin, hein, son, son verbatim, c'est de dire pression très lourde de la part de sa hiérarchie. Euh, elle sait ce qu'elle fait, évidemment. Pourquoi elle fait ça parce que c'est -ce la vérité. Elle est, plus, elle est plus en poste, pourquoi est Elle, elle règle ses comptes. Alors, alors avec son ancienne chef alors, Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais par ailleurs, c'est la vérité. Donc euh, moi, je suis content quand un magistrat me dit la vérité parce qu'il a levé la main et qu'il a dit je le jure et qu'il est sous serment. On dit que le parquet général lui a envoyé une dépêche, mais euh, s'il a, si a une dépêche, et une preuve. Comment euh, Champrenot peut dire le contraire hein ah ben, elle nous l'a lu ce matin. Euh, le courrier en question, il a été lu en commission par Madame Champrenot. C'était des général. réunions, selon elle, des réunions de travail. Oui, elle, elle change de vocabulaire, mais les faits et la temporalité des faits, ils sont là. Il y a eu des demandes du parquet général, il y a une demande. De changer d'instruction, euh, enfin de, de, de passer à une instruction, de, de quitter l'enquête préliminaire. Donc c'est la réalité. Alors après, on peut dire euh, pression, ce n'est pas des pressions de l'exécutif, c'est là où Eliane Noulette a dit attendez, moi je n'ai pas dit qu'il y avait des pressions de l'exécutif, j'ai dit qu'il y avait des pressions du parquet général parce que j'étais sous pression, pression médiatique, pression de ma hiérarchie, euh, pression de, bah, de la situation. Catherine on dit que Eliane Oulette, euh, confond le mot pression qui serait des pressions politiques. Avec pression psychologique dans une ouais. affaire évidemment que la France entière scrutait. Ce n'est pas juste des pressions psychologiques, il y a une vraie pression du parquet général qui demande des informations euh, euh, exorbitantes. Et ce qui n'est pas le cas dans d'autres affaires. vous expliquerait qu'elle revient alors sur avec, ses avec propos. Peu, pardon, Olivier Marleix. Avec une contradiction qu'on n'est pas relevée euh, entre elles, mais euh, Mme Houlette a, a énuméré un très grand nombre de, de, de demandes qui vont bien au-delà des quatre, euh, alors que la, 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 Madame Chan elle, ne reconnaît avoir été à l'origine que de, 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 de quatre demandes. Donc, il y en a une des deux qui, euh, qui n'a pas raconté la vérité sous serment. Combien il y a de demandes euh, d'information de la part de la, du parquet général On ne sait. On ne sait pas. Mm -hmm. euh, de, dans cette affaire, il y a eu beaucoup d'autres éléments que même. Qui, qui suscite réflexion. Le choix de la qualification, par exemple, c'est un sujet qui, qui, qui n'est pas notre euh, La procureure générale, Mme Chorono, nous a dit que, jusqu'à présent, les affaires de, de soupçons d'emploi fictif euh, de la part d'élus, euh, étaient traitées en abus de confiance. Euh, et qu'elle a clairement euh, innové dans cette affaire, euh, en ouvrant une enquête préliminaire, enfin, elle a ouvert une enquête préliminaire, et ensuite euh, cette information judiciaire, euh, sur la recherche d'étonnement de, 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 de fonds publics. Euh, L'enjeu, c'était quoi, derrière L'enjeu, c'était, est-ce que c'est -ce le PNF qui garde le dossier Est-ce que c'est le, le pôle financier ensuite mmh. euh, Ou est-ce que c'était est, est le, 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 le procureur de Paris qui, qui récupérait l'affaire avec un traitement qui aurait peut-être été un peu différent Donc elle a Donc... choisi une qualification pour garder le dossier pour, pour que d'abord le dossier soit, soit au PNF, euh, effectivement, et ensuite euh, reste entre les mains de. de et c est, c est de, ces propos, Katia Dubreuil me permettre, C'est quand même toujours le problème, c'est d'interpréter euh, les faits en fonction de c'est parce que tel voulait garder le dossier, voulait manipuler, etc. Il n'y a aucun élément dans ce qu'a dit Elianolette qui permette de penser qu'effectivement euh, il y a eu une émission du pouvoir exécutif euh, dans la conduite de cette, de cette enquête. Il y a des raisons objectives qui montrent que effectivement euh, il y avait, il fallait se dépêcher. Euh, de faire cette enquête parce que sinon elle allait être prescrite donc moi je veux bien qu'on dise que la justice doit laisser prescrire les enquêtes parce que sinon c'est c'est quand même euh, c'est quand même un indice qu'il y a une émission du pouvoir politique Mais Mais pour bien comprendre parce que Éliane euh, elle, elle, elle s'est confiée à Paris Match euh, cette semaine elle fait même euh, la une de cet hebdomadaire et elle revient euh, largement sur ses propos en disant si j'avais su que le mot pression allait générer une telle polémique je ne l'aurais pas euh, prononcé euh, s'il y a une s'il n'y a pas de pression politique comme vous me semblez le dire s'il y a une non, pression pas, de la dire est-ce sont... est problème je n'y suis pas. J'étais pas entre les deux. Hein. Je dis juste Elle dit, juste y a elle rien dit devant les députés qu qui est illégal. Contrôle oui, très étroit. Un, un contrôle légal. très, très étroit. C'est une pression très. Oui, long, mais bien sûr, dit. parce que c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on demande que ces remontées d'informations soient supprimées à l'avenir dans toutes les affaires et que le parquet soit nommé autrement, parce que peut-être qu'il y a certains procureurs quand ils reçoivent des demandes incessantes de leur parquet général, qui peuvent se dire ah bah tiens, euh, ça remonte, il y a l'œil au-dessus du pouvoir exécutif, de la ministre de la justice. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on attend quelque chose de moi, voilà. Vous, Fiction, parce que là, courrice. sur ce plateau, on a l'air très clair sur l'affaire Fillon. Il y a eu très clairement une diminution du, du pouvoir politique pour accélérer ouais, le dossier. Est pas... est que... non, 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 je dis des non, deux côtés. Ah non, oui. moi je ne crois pas ça. Je ne ah bah, crois vous... pas ça. Il n'y a pas diminution du pouvoir politique moi, je... pour accélérer l'enquête. Monsieur c'est... on n'est pas d'accord ensemble. Je je, 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 je l'ai pas dit comme ça. Vous je, la, vous laissez pire... penser. Non, 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 non c'est peut-être même pire que ça. C'est-à-dire qu'il y, ah. y, y a des magistrats qui donnent le sentiment, donnent le sentiment. Je dis bien euh, par euh, sans doute imprudence, par euh, d'être eux-mêmes animés. Voilà ce que je dis, et c'est exactement ce que disent Monsieur Davélo. Donc c'est le zèle. De, 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 de la magistrature, qui d'eux-mêmes de, vont plus pas vite... Sereine, ne... Pas en tout cas, de la justice. Mais je dis juste que, je je dis que, dis que... Comme un prudent, Eliane Oulette, ça. en témoignant de la sorte, elle fait preuve d'indépendance. Elle fait pas preuve de dépendance, elle fait preuve d'indépendance. Alors comment vous expliquez-vous Elle comment... revient sur ses propos Et elle revient pas vraiment sur ses propos, c'est clair. Elle, elle, elle dit juste, j'ai subi des pressions, j'ai ressenti comme étant des pressions les demandes incessantes du Parquet général. C'est une réalité. Il y a eu des demandes incessantes du Parquet général qui ne se retrouvent pas dans d'autres affaires. La question pour nous, c'est pour ça qu'on auditionnait à nouveau Mme Chanrenaud, Ch c'est de se dire, euh, à quoi ont servi ces demandes C'était quoi l'objectif Est-ce que c'est de remonter euh, euh, la, au ministère et ensuite, quand on fait les ministres, je rappelle que c'était M. Urvoise qui a lui-même été jugé par la Cour de justice de la République pour avoir utilisé ces informations au profit de M. Solaire. Donc, excusez-moi, mais le doute est permis. Il y a eu des précédents. Le doute est permis. Est-ce que vous croyez qu'on va faire des remontées sur l'affaire terre qui brandissait justement le... Le doute est permis, c'est tout le problème. Et sur la célérité de l'enquête oui, euh, du PNR. C'est que c'est l'objectif du PNF de faire des enquêtes rapides sur tous les sujets. Est-ce que pour Fillon, ça a été plus vite que dans d'autres affaires, y compris celle du PNF Peut-être un peu plus. Mais on comprend pourquoi. Euh, ça allait être l'élection présidentielle. Donc soit faut purger le, le sujet maintenant, tout de suite, très vite, soit faut attendre l'après-présidentielle. Donc c'est clair qu'à qu un moment là, de il y a un arbitrage et, et, et tout le monde se dit, en tout cas au sein du PNF, c'était le choix qui a été fait, Bah si... Si il euh, y a des oui. faits, des infractions qui ont été commises, c'est le moment de le savoir pour les Français et Monsieur les Français. Dubreuil, euh, Les propos d'Eliane de, Oulette n'ont en rien pesé sur euh, le jugement de François Fillon, puisqu'il a été condamné à 50 ans prison, dont deux fermes, 375 000 euros d'amende à une peine d'inéligibilité euh, de 10 ans. Euh, C'était lundi dernier. Ça c'est normal. Vous auriez considéré il n'y a aucun rapport entre vous... l'examen des faits, des preuves, des éléments de preuves qui sont rapportés dans le dossier pour pouvoir savoir si on doit rentrer en voie de condamnation parce qu'il y a suffisamment de preuves et décider d'une peine en fonction de la gravité des faits et puis ce que Mme Moulette a indiqué. Dire, une fois que le dossier il est devant le tribunal et qu'il y a des éléments d'enquête qui pour le tribunal sont suffisants pour condamner, ça n'a aucun rapport avec ce, que, ce qui a vous pu êtes se passer. Avec effectivement. Ça, Olivier, Pardon, je je, sais pas, je trouve qu'il y a quand même un... Vous pensez que le, le, le jugement aurait dû être euh, peut-être différé au regard des, des propos euh, sur la pression que subit par Hélène Houlette C'est vrai, en tout cas. Il, il y aura procédure. Il y aura une procédure en appel. Ce sera sans doute l'occasion de. Pour la défense, je vais avoir un autre, euh, un certain nombre d'éléments, oui. Mais quand on voit comment le PNF, le PNF par exemple, c'est euh, acharné, on peut dire acharné, sur la question des écoutes de Sarkozy, pour, euh, convaincu que il euh, des cherny. fuites, chercher le, absolument la taupe. c'est Alors justement, un mot, un mot quand même sur, voilà, de, sur cette affaire Sarkozy. il va... y, y a des oui, enquêtes va... pas contradictoires, sans limite de on temps, secrètes, Ça, c'est l'enquête préliminaire. C'est le principe de l'enquête préliminaire. Encore une loi qu'il faudrait changer effectivement, mais euh, les magistrats appliquent la loi. L'enquête préliminaire, il n'y a aucun recours possible. Alors, je voudrais qu'on avance sur le, il faut juste préciser sur, sur l'histoire des fadettes. Euh, voilà, affaire Sarkozy. Il faut même... préciser les choses parce que Acteur, tout le monde. Moment... Ça, ça me gêne un peu d'entendre une magistrate quand même dire que les magistrats, que là-dessus que les, que les, on a juste appliqué la loi. On a une enquête préliminaire qui dure non, 5 ans. Je, je répondais au fait qu'il n'y avait pas eu de, non, de on a recours, une, etc. Je répondais gens qui nous regardent à quel point une enquête préliminaire, c'est, on ne peut pas faire grand-chose. Elle ne peut pas durer 5 ans. L'enquête préliminaire était censée durer 4 mois. Le code de procédure pénale prévoit de préciser la durée. Ce sont des délais indicatifs. qui C'est tout le temps comme ça. Le code de procédure pénale, vous dites qu'il faut appliquer la loi, vous êtes magistrate. Non, 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 ce sont des délais qui sont indicatifs. La loi dit ça. 4 mois. Ça dure 5 ans. Un truc absolument délirant. Non, c'est clair pour ceux qui nous regardent, malheureusement. sur l'affaire Sarkozy. Et... Alan et... Charonneau est au courant de affaire. Elle, elle nous a dit que dès 2016, au milieu, ça faisait 2 ans. Des écoutes téléphoniques. Les... Non, mais c'est. Les... Pardon, de quoi on parle On parle des voilà. fadettes. Ce ne sont pas des écoutes euh, téléphoniques. Dans le cadre d'une enquête oui. préliminaire. Non, mais les premières écoutes téléphoniques, puis les voilà. fadettes d'avocats. Allez-y. Euh, à la demande d'un vice-procureur euh, du, du PNF, sont épluchées les fadettes de dizaines de magistrats, pardon, d'avocats, de magistrats, y compris M. Vendredi. Une bague, y compris Madame Moulette, c'était absolument euh, spectaculaire. C'est une donne sentiment est qu même, que tout ça essayer de supérieur. savoir qui était la taupe bon, dire, qui avait qui renseigné du fait que le téléphone de Paul Bismuth était celui de Ce Nicolas qui est, voilà, aussi. enquête d'autant plus aberrante que huit jours avant, 8 jours avant euh, on a une information judiciaire, euh, donc conduite par un juge d'instruction, qui a été ouverte exactement sur le même sujet, c'est-à-dire euh, pour, pourquoi ont-ils acheté un téléphone. Est-ce que et rien n'est illégal sur ces Ça, ça c'est absolument anormal. Elle dure cinq on peut discuter sur la proportionnalité de ces Exactement. actes d'enquête. Euh, oh, elle, fait... elle vous choque, cet fa... acte de fadette D'abord, moi, j'évite me... en général, contrairement à la plupart des gens, de porter une appréciation sur une enquête dont j'ai des éléments épars dans la presse, dont je ne sais pas tout. Je n'ai pas, euh, pas tous les éléments pour apprécier la proportionnalité, euh, effectivement, entre euh, le fait de regarder les fadettes des avocats et les investigations qu'on voulait faire. Donc, Je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien de contraire à la loi, puisque la loi. Ne prévoit pas de protection des fadettes des avocats ni des bornages des avocats, ce qui est peut-être un problème et qu'il faut discuter, il faut avancer là-dessus. Que par ailleurs, l'enquête préliminaire qui dure très longtemps, malheureusement, c'est le cas dans beaucoup d'affaires, ça n'a rien d'aberrant ou d'incroyable. Que le fait qu'on ouvre une enquête incidente et qu'on ne le fasse pas dans le cadre de l'instruction, c'est aussi une pratique extrêmement courante. Donc des choses qu'on présente tout le temps comme aberrantes correspondent en réalité à des pratiques habituelles et parfois problématiques. Vous quand même que la Garde des a ouvert une enquête auprès de l'inspection Général de la justice dans cette oui, affaire des fadettes euh, d'avocats, ce qui est très rare, et que dans la première ah, affaire non, Fillon, euh, c'est le Conseil supérieur de la magistrature euh, qui est saisi. Euh, elle vous choque, vous, euh, cette étendue, ce, cette possibilité C'est pas illégal que le PNF puisse aller jusqu'à euh, aller regarder les, les téléphones des, et les factures détaillées oui, des avocats oui, ça me qui choque. sont dans l'entourage des avocats de Nicolas Sarkozy. Et ça ne me choque pas d'aujourd'hui. On l'avait d'ailleurs dénoncé dans les perquisitions de la France Insoumise qui était sous le cadre d'une enquête préliminaire. Nous avions nous-mêmes demandé à ce qu'une information euh, judiciaire soit ouverte justement pour pouvoir avoir du contradictoire, le droit de la défense. Alors après, même quand vous rentrez dans le détail, c'est pas aussi simple que ça parce qu'aujourd'hui, même si il y a une information judiciaire, nous avons toujours pas accès au dossier. Bon bref, c'est une autre histoire. Mais euh, euh, oui, parce que j'ai défendu des amendements qui vont dans ce sens pendant le projet de loi euh, justice euh, de 2019 pour Alors, restreindre le périmètre du, du procureur de la République voulais... et améliorer celui du juge d'instruction. Voilà. sur la Moi, question de cohérent, politiquement, du début à la fin. Bon. Est-ce qu'il a trop de pouvoir Est-ce qu'il est trop indépendant Est-ce qu'il peut faire trop de choses faut-il supprimer le PNF On va écouter euh, Didier Paris, euh, qui est magistrat de profession député de la République en marche. Le PNF euh, a montré toute sa valeur. Nous avons besoin d'un parquet national, ou en tout cas d'un parquet puissant, qui puisse répondre aux plusieurs centaines de procédures annuelles sur les problématiques de probité, euh, de délits financiers euh, graves, euh, qui posent de nombreuses difficultés. Si nous supprimons le PNF, nous supprimons un des éléments déterminants de poursuites pénales en matière économique et financière grave. Alors vous allez réagir, mais je salue la... Raphaël ah, Legendre. Bonsoir, chroniqueur dans cette émission et journaliste euh, à, à l'opinion. <laughs> J'y arriverai jamais. Alors, euh, comment est né ce, ce parquet national financier Oui, alors on a parlé beaucoup de politique hein, ce soir, mais euh, euh, le PNF, il est né euh, d'une histoire de fraude fiscale. Souvenez-vous, en 2013, c'était l'affaire Cahuzac, tout le monde s'en souvient très bien. Et euh, au moment de la création du PNF, euh, on lui donne. Deux compétences. La première, les atteintes à la probité. C'est tous les sujets dont on a parlé euh, ce soir. Euh, corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics. Mais aussi, euh, atteinte aux finances publiques. C'est quoi Ce sont les affaires de fraude fiscale aggravées, blanchiment de fraude fiscale ou escroquerie à la TVA. Des affaires lourdes en général. C'est par exemple, grâce au PNF, que l'année dernière, Google a dû payer un milliard d'euros d'arriérés euh, d'impôts. Ce n'est pas rien pour les caisses de l'État. C'est sûr. Alors depuis la création euh, du PNF, on n'a pas arrêté en réalité de durcir les mesures et la loi autour de la lutte contre la fraude euh, fiscale. En 2014, euh, création d'une police fiscale au sein de la police judiciaire. C'est plus de 200 personnes qui y travaillent aujourd'hui. En 2016, adoption d'une loi sur la transparence de la vie économique qui a créé notamment euh, l'Agence française de lutte contre la corruption. Euh, au même moment... À Bercy, on a envoyé des informaticiens pour faire du data mining. C'est quoi le data mining euh, C'est recroiser des données informatiques pour mieux traquer la fraude fiscale. Euh, en 2018, euh, rebelote, euh, Gérald Darmanin arrive à l'Assemblée euh, avec sa loi de lutte contre la fraude euh, fiscale qui crée cette fois-ci une police. Au sein des inspecteurs des impôts à Bercy, mmh. qui doublonnent un peu avec celle de l'intérieur. Ça a permis vraiment un pas de géant on, en matière de lutte. On rémunère à ce moment-là euh, les aviseurs. Les aviseurs, ce sont des anonymes qui donnent des informations à Bercy, euh, des filons pour trouver. Euh, les fraudeurs. Euh, et depuis l'année dernière, euh, vous avez même des inspecteurs des infos des impôts pardon, qui, euh, qui surveillent les réseaux sociaux pour voir si euh, vous n'avez pas un train de vie euh, qui n'a rien à voir avec votre déclaration fiscale pour faire court. Bon, alors tout ça pour quel résultat Tous les deux ans, on en a mis, on en a mis des couches. En réalité, c'est plutôt mitigé. La Cour des comptes a publié un rapport en 2018. Que nous dit la, la, la Cour des comptes eh Bien qu'entre 2012 et 2016, la délinquance économique et financière a a en réalité progressé de 24%. Pourquoi Parce que cette fraude est de plus en plus organisée, les réseaux de blanchiment se professionnalisent et surtout ils ont un recours accru aux nouvelles technologies. D'où l'intérêt du data mining, notamment à Bercy. Alors ça n'a pas servi à rien non plus. Euh, Bercy, pas plus tard qu'hier, a rendu les chiffres définitifs de la lutte contre la fraude fiscale. En 2019, ces 11 milliards qui ont été redressés l'année dernière, 2 milliards de plus que ce qui était prévu, c'est à peu près en réalité ce qu'on fait depuis plusieurs années. C'est plutôt un bon cru 11 milliards. La dernière fois, c'était en 2015. Mais on voit que ces lois répétées qui ont durci le régime au fur et à mesure ont en réalité assez peu porté des fruits. On reste sur un rythme à peu près étal. Olivier Marvex, le bilan, n'est quand même pas je, mauvais. Non, je ne dis pas. Pardon, je trouve qu'il y a beaucoup d'exagération. On nous fait croire que subitement la naissance du PNF aurait permis de faire des, des, des miracles. Euh, C'est pas vrai. Il y avait avant be beaucoup d'autres euh, services spécialisés. Il y avait un service central de prévention de, de la corruption. Euh, il y a Tracfin. Il y avait des services d'enquête spécialisés. On n'a pas attendu la création du PNF, Madame Moulette, pour sortir des affaires comme Elf, euh, euh, Urba, etc. Qui vous disent sans ah, vous doute. Vous connaissez quand même qu'il y a beaucoup d'affaires depuis non, son non. existence euh, qui ont été. Euh... Il y a des affaires qui sont amenées, parce que y a, les, les choses ont changé aussi. Donc, il y a l'affaire UBS, c'est un lanceur d'alerte qui l'amène. Ce n'est pas le travail du PNF qui lui permet de la sortir. Société Générale pour quelle qui raison a payé vous, 2 milliards de Vous milliards voulez sa su suppression euh, ou son aménagement, non, je pas sa réforme la, 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 pardon. Je dis juste faut modérer un peu ce, cette, cette vertu magique qu'aurait eu le PNF de sortir des affaires, euh, des, des affaires économiques. En réalité, on avait déjà la capacité de faire. Moi, mon inquiétude au moment de la création du PNF, c'était la possibilité de mainmise euh, de, 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 du pouvoir euh, en centralisant toutes les affaires politiques. Puisque c'est aussi ce que, dit, ce que disent les textes, c'est que désormais toutes les affaires politiques peuvent être euh, appelées, politiques ou financières, peuvent être euh, mises entre les mains d'un seul procureur. Donc c'est pour un pouvoir qui choisirait bien ses procureurs, ce qui peut arriver, euh, Madame la Présidente, euh, c'est une façon de pouvoir mettre la main sur toutes les affaires politiques dans alors, un alors pays. On peut c'est une ça réponse. un peu dangereux dès le départ. L'histoire montre que c'est effectivement... Euh, mais c'est une question de pratique peut-être, plus, plus que de droit. Toutes les affaires politico-financières à un seul guichet. C'est justement une question de droit. Euh, et effectivement, le syndicat de la magistrature et je crois d'autres organisations syndicales de magistrats ont fait cette critique lors de la création du PNF. Pour nous, c'était essentiellement une manière de dire on va faire quelque chose. Donc on crée un service centralisé. C'est souvent la réponse qu'apporte le politique quand il y a tout à coup la volonté de répondre à un besoin sociétal. Et donc on avait dit mettre entre les mains, vu que le statut du parquet n'évolue pas, c'est un problème. Le problème n'est pas seulement celui du PNF, il est celui de tous les procureurs de France par rapport à un statut qui garantit insuffisamment, en tout cas aux yeux des citoyens, je pense, la confiance qu'on peut avoir dans la justice. Donc c'est un problème qui est plus général. Et si c'était un autre procureur qui avait traiter cette affaire, on aurait pu dire aussi que ce procureur n'avait pas les conditions de garantie suffisantes. En revanche, quand vous dites que le PNF n'a pas eu de résultat, c'est faux, parce que pour le coup, et ça c'est un effet bénéfique de cette création, il y a eu du coup euh, un élan. Euh, on a mis au début 5 magistrats, maintenant ils sont 15, donc ça reste très peu. Et, et quand vous dites qu'on avait déjà les moyens... Et... Ouais, plus. Euh, enfin, en ce moment, ils sont plutôt 16, je crois, en, dans les faits, mais enfin bon. Euh, quand on vous dit qu'on euh, euh, avait les moyens et que, qu pas, que ça n'a pas changé grand-chose, en fait, non, on n'avait pas les moyens et on ne les a toujours pas. Parce qu'on n'a pas de service d'enquête suffisant pour enquêter sur ces affaires. Alors, c'est le choix de moyens Plus de, de, de moyens moyen et une indépendance réelle des parquets en France, voilà ce que euh, le syndicat de la magistrature propose. Euh, vous aurez le mot de la fin, Hugo Bernalicis. Euh, vous souhaitez euh... le conserver, ce PNF, qui est oui. Encore plus indépendant, mais. De oui, alors il y a les, la réforme du parquet qui qu concernait tout le parquet, oui, pas juste oui, le PNF. Oui. Évidemment, euh, j'ai rendu un rapport en avril, enfin euh, mars, mars 2019, sur les moyens mis en œuvre par l'État dans le cadre de la lutte contre la délinquance économique et financière. Et il y aura un autre rapport euh, qui, qui débutera ses travaux en septembre prochain, un euh, rapport d'application sur le même sujet. Donc on refera un cycle d'audition. Et, et pour affiner vos chiffres, effectivement, c'est 18 en rythme de croisière. En ce moment, c'est 16 parce qu'il y a des mutations, alors, des départs hors sur, comme chacun l'a vu. Bon. Sur, les, euh, sur le PNF, en tant que tel. Mais regardez, euh, que, que nous a dit Jean-Michel Ayat tout à l'heure euh, quand il était président du tribunal de Paris Il dit oui, mais attendez, il y a le PNF, on a mis des gens, mais on a retiré des juges d'instruction. Et il me faut des moyens supplémentaires pour avoir des juges d'instruction en matière de délinquance économique et financière. Donc si c'est pour habiller Paul, pour dé déshabiller Jacques, bah c'est pas possible. C'est globalement qu'il faut augmenter les moyens euh, de lutte contre la délinquance économique et financière. Il faut plus de gens. Au parquet, mais surtout beaucoup plus de gens au siège parce que ça offre les garanties de procédure qu'on a entendu tout à l'heure, le contradictoire et une forme de spécialisation. Pourquoi le PNF c'était une plus-value, même si on peut être opposé à une, à une, une instance nationale et qui concentre tout, c'est que c'est une matière où vous devez vous spécialiser, dépêcher les comptes de sociétés offshore, de machins, etc. On pas, les voilà. non, on mais... pas les mettre que sur le politique. Non, mais pas les mettre que sur quelques affaires politiques. On est d'accord, on est d'accord. De... Et Allez. moi, je pense qu'un parquet Alors, territorialement compétent va... pourrait traiter des affaires politiques. On va s'arrêter sur, oui. sur ce point d'accord. Bon travail. Bravo messieurs, on sera attentifs à vos, à vos propositions de réforme, Merci d'être venus sur le plateau d'LCP. On va maintenant revenir sur cette semaine cruciale d'audition sur la crise sanitaire. La commission d'enquête a entendu les quatre derniers ministres de la Santé. Ce matin, c'était Xavier Bertrand, ministre de Nicolas Sarkozy, de 2010 à 2012. Temps fort compilé par Marion Becker. Depuis la loi de 2007, c'est au ministre ou à son représentant de s'assurer justement que le nombre de masques sera suffisant. Je veux être le plus précis possible sur 2011, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, des vertes et des pas mûres, et j'ai vu de la part de certains responsables politiques un réflexe quasi pavlovien à dire 2011-2011. Je ne suis dupe de rien. Je ne suis dupe de rien. Soit ils n'ont pas bien lu les instructions, soit ils savent à quel moment il y a eu un changement.